Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, Isabelle. Alors, Maxime, lui, est contre le mariage homosexuel. Maxime est dans le Rhône. Bonjour, Maxime. Oui, bonjour, Jean-Jacques. Vous êtes ingénieur dans une PME, vous avez 24 ans. C'est ça. Pour vous, c'est clair, le mariage, c'est la famille. Voilà, bon. Voilà, Maxime. Le mariage, en fait, pour moi, c'est une institution qui a été instaurée pour permettre justement l'émergence de bases familiales qui sont les meilleures possibles pour éduquer et élever les enfants. C'est d'ailleurs pour ça que dans toutes les civilisations, dans tous les pays, à toutes les époques, le mariage s'est fait entre un homme et une femme. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été instauré dans le code civil Napoléon, puisque c'est là qu'on a eu l'émergence juridique, on va dire, de l'institution du mariage. Et puis, comme pas mal d'auditeurs, d'après ce que j'ai pu entendre des messages, ce qui m'inquiète plus, c'est pas tellement le mariage en soi, même si je pense qu'un mariage c'est entre un homme et une femme, c'est surtout après du fait que les homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement, et qu'ils vont chercher à en avoir. Et la deuxième étape, ce sera légaliser l'adoption par les homosexuels. J'ai peur qu'on en arrive à de fortes dérives sur ce que j'hésite pas à appeler le commerce des enfants, que ce soit soit faire recours, avoir recours aux mères porteuses pour leur et s'en servir comme de simples ventres, de simples incubateurs. Ouais, le recours aux mères porteuses des couples hétérosexuels. Bien sûr. Ouais. Ils en ont recours aussi, c'est pas un fait uniquement homosexuel, mais ce sera amplifié, à mon avis, puisque les couples hétérosexuels, dans la majorité, peuvent avoir des enfants naturellement, alors qu'aucun couple homosexuel ne peut avoir d'enfants naturellement. Oui. Ou alors on aura des situations où deux femmes homosexuelles vivront ensemble, l'une se fera faire un enfant par son meilleur ami, et puis alors vous aurez le petit qui aura ses deux mamans, dont une biologique, une pas biologique, et son papa biologique, qui sera soit un ami, soit un inconnu, enfin... À mon avis, ce ne sont pas des conditions optimum pour l'épanouissement d'un enfant. Et puis j'ai assez peu apprécié Jean-Jacques, quand vous avez dit, quand vous parlez de frilosité, de refus du progrès, j'en ai un peu marre que tous les gens qui ont des idées, on va dire, conservatrices, soient tout le temps stigmatisés. Quand vous avez une question démocratique sur ce sujet, pourquoi parler des gens qui sont pour comme étant des progressistes et des gens qui sont contre comme étant... des gens ayant une frivolité ou une rigidité. Je trouve que votre attitude n'est pas très démocratique et un peu totalitaire. Bon, Maxime, vous n'avez pas à employer ce genre d'argument pour distinguer deux positions, deux idées qui ma foi, n'ont pas à être dénigrées, soit l'une, soit l'autre. Il ne s'agit pas de dénigrer, Maxime. Il s'agit de... D'abord, vous constatez que vous avez la parole, Maxime. Ici. Oui, bien sûr. Et ici, vous l'avez et vous l'aurez toujours. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est absolument évident. Deuxièmement, lorsque je dis que la société ne bouge pas beaucoup, je le pense sincèrement, Maxime. Et je le pense. On n'est pas obligé de penser comme moi, Maxime. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je revendique le droit de penser et de le dire. Maxime. Alors, je sais que ça plaît ou ça ne plaît pas. Je sais que beaucoup disent, mais les journalistes ne doivent pas s'engager, un journaliste... Ben, eh bien, moi, parfois, je m'engage. Et en ce qui concerne la frilosité, le conservatisme de la société française, je crois que la société française est conservatrice. Mais je parle pas spécialement du mariage homosexuel. Je parle globalement. La société française est conservatrice. Et il y a qu'à voir. Elle est conservatrice parce qu'il y a peu de femmes à l'Assemblée nationale. Elle est conservatrice parce que... Et je suis contre les quotas, moi, Maxime. Je trouve ça... Les quotas, je trouve ça stupide. Hein, oui, vous voyez, ma femme, qui est, en plus d'être une femme, est jeune, puisqu'elle a à peu près mon âge, 26 ans, elle est élue, territoriale en Alpes. Maxime, bravo. Mais je peux vous dire, qu'elle est pas, elles sont pas très nombreuses, les élus. Non, Maxime, et puis, vous savez bien. Même en parlant salaire, elle a un meilleur salaire que moi, et ça me gêne pas du tout. Là, en l'occurrence, ben oui, mais ça, Maxime, vous n'êtes pas dans la, comment dire, vous n'êtes pas dans la règle, si je puis dire, générale de la société française, Maxime. Si, je pense, puisque moi, ce qui compte pour moi, c'est le mérite. Je suis absolument contre les quotas. Oui, mais aussi. Si où elle mérite de gagner plus que moi, j'y vois pas de problème. Si aux élections elle se présente et qu'elle est élue, et moi non, j'y vois aucun problème, mais parce qu'elle le mérite. Le jour où elle rentrera à la maison en me disant qu'elle a été élue parce qu'il fallait un quota de femmes et qu'en trouvant personne, on l'a mis elle parce qu'il n'y avait personne d'autre, là, j'avoue que je serais un peu choqué. Eh bien là, Maxime, nous nous rejoignons. Je suis comme vous. Je crois beaucoup au mérite.
Alors vous voyez, voilà. nous avons plusieurs points communs. Vraiment, franchement, hein, sincèrement. Oui, bien sûr. Et je regrette que là on renverse le débat, Maxime. Je veux dire par là que vous n'êtes pas un conservateur comme on l'entend généralement. Mais la société dans laquelle nous vivons, Maxime, l'est conservatrice. Vous n'y pouvez rien, Maxime. C'est comme ça, oui, moi sûr. Non plus. Et je sais de me battre contre cette idée. Et je pense qu'il faut faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, ça ne veut pas dire non plus toujours aller dans le même sens. Attendez, lutter contre le conservatisme, ça veut dire, je ne sais pas moi, effectivement, encourager le mérite, ça veut dire... Vous comprenez, Maxime, ce que je veux dire? Je pense que le mérite, encourager le mérite, justement, c'est être conservateur. Ah, pourquoi être conservateur? Mais vous croyez, vous, Maxime? Mais pas du tout. Mais détrompez-vous. Bien sûr, parce que là, toutes les mesures soi-disant dites progressistes ne font qu'encourager les quotas, ce qu'on appelle la discrimination positive, encourager les minorités, des gens qui ne devraient accéder à certains postes ou à certaines places, non pas par ce qu'ils font ou par leur capacité, mais par ce qu'ils sont. Quand j'entends, par exemple... Le problème, Maxime, c'est qu'elle n'avance pas. Oui. Anne Levergeon qui dit que si elle avait le choix, elle embaucherait tout sauf le mâle blanc, c'est-à-dire soit une femme, soit quelqu'un issu des minorités, j'appelle pas ça du conservatisme. Bah, non. C'est une forme de conservatisme, pour moi. Non, c'est une forme de non, ça c'est du politiquement correct, Maxime. Voilà, et le politiquement correct, c'est du conservatisme. Pour moi, le politiquement correct, c'est du... Ah bah oui. Eh ben moi, je suis réactionnaire, alors, dans ce cas-là. Eh ben oui, vous êtes réactionnaire. Mais bien sûr que vous êtes réactionnaire. Lorsque Maxime vous dites, ça me gêne pas que ma femme gagne plus que moi, hein, c'est être réactionnaire, mon cher Maxime, dans notre société. Je suis réactionnaire et je l'assume tout à fait. Alors. Eh ben alors, on est d'accord. Voilà, allez, bonne journée, Maxime. Bonne journée. Salut, au revoir, Maxime. Au revoir.